C'est parti. Ah. Bon, attention, Romain qui est parti. Oh. Eh oui, allez. Romain Gioffre. Voilà. Le hold shot, c'est pour Romain Gioffre. Gonnet deuxième, et j'ai l'impression que c'est Grégoire qui est encore derrière. Alors, on va le faire. Attention, l'attaque de Vivien Gonnet qui fait l'intérieur, qui va passer. Déjà. Va-t-il se faire dédoubler par Romain Gioffre alors qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est Nigon qui a tout tenté. Ah, il est passé, il a passé Grégoire Martinez, il est 3. Il est 3, mais en attendant, c'est Vivien Gonnet qui a repris sa place habituelle, c'est-à-dire la première. Et qui déjà a pris 4 longueurs sur ses petits camarades. C'est incroyable. Il fait ce qu'il veut, une maîtrise absolue. Puis quand on parle avec lui, il est d'un calme lui aussi. Ah bah lui, il est tranquille. Ça fait penser à Sylvain à l'époque. La pression, c'est dans les pneus, hein, voilà. C'est pas ailleurs. Hein. Vaut mieux la mettre dans les pneus, au moins comme ça, t'es tranquille. Allez, premier tour. Bonnet, Gioffre, Nigon, Martinez, Parseillan. Ah ben c'est bien. Mongarny, Reynaud, Valat, Tarès, Brancy. Enfin, quand je parle Tarès, c'est pas Marcel. Hein, Brancy, Véronèse, Roche, Dardeillon, Didou, Cavalieri et Mongarny. Nigon qui attaque Romain Gioffre. Bon, ça va être un peu juste là. Allez, Romain Gioffre, et on parlait de ceux qui roulent presque plus. Romain Gioffre, il roule plus. Lui, l'ancien pilote. Bêta, maintenant il ne peut plus, il a une entreprise à faire tourner. Vivien Gonnet pareil. Voilà, Vivien Gonnet pareil. Grégoire Martinez, c'est la même chose. Il n'y a que Joan Nigon, lui, qui roule en endurance. Voilà, mais lui, il roule sur le bitume, il ne roule pas sur le. Très bon pilote. Il n'est pas loin là. Hein. Ah non, il est tout près même. Allez, Joan. Il y a 6 dixièmes entre les deux. Allez, au freinage là-haut. Une seconde 3, une seconde 6. Maintenant, il a repris, il reprend. Martinez à 3 secondes, Parseillan à 5, Mongarny à 6, Reynaud pareil. Voilà, à 7 secondes. Il reprend encore du temps. Attention, pas perdre l'avant là. Non. Ça passe. Allez. Ça touche un peu, mais il a bien fermé la porte là. Romain Gioffre. Et Parseillan, ouais, c'est chaud là. Parseillan, Mongarny. Il y a de la bagarre. Alors que devant, Vivien Gonnet, record du tour bien sûr, 41-8. Ouais, tranquille, dans le deuxième tour. Bon, ben, là, il assure, mais attends. C'est impressionnant parce qu'il manque un rétroviseur pour être sûr d'assurer derrière. Jamais regarder derrière. Il se tourne de temps en temps. Hein. Oui, quand même. Ouais. Moi, je l'ai vu se tourner de temps en temps pour voir un petit peu. Ça bouge quand même. Hein. Regarde les étincelles, c'est magnifique. Ouais. C'est superbe. Voilà, puis la vitesse, là, au moment d'arriver. C'est cet endroit là qui me fait dresser. Bon, j'ai plus de cheveux sur la tête, mais enfin, bon, ça pourrait me faire dresser quand même. Là-bas, ça me fait à chaque fois des impressions. Et puis, 6 tours, c'est tellement vite passé. Avant, on pouvait peut-être gérer un petit peu, non, 4 tours. Sur 10 tours. Maintenant, c'est fini avec Frédéric Reynaud là, qui a failli se toucher Jonathan, 23. Ah, c'est Jonathan. C'est Jonathan Mongarny. Oui. Il est pas loin. Il sort plus extérieur en bas. C'est pas du tout la même trajectoire. Mais Gonnet a toujours, même plus, il a maintenant une seconde 6 d'avance avec Gioffre, mais il y a presque une seconde quand même sur le passage de chrono entre Gioffre et Nigon. Ça va être compliqué pour qu'il aille l'attaquer. Mais bon, là, il a fait 4 la première. Ouais. Donc là, ça va le remettre à égalité avec Grégoire Martinez. Et le problème, c'est la première course d'Isola 2000 pour Romain Gioffre. Oui, le pauvre, il n'a pas eu de chance. Non. Où il a été pris dans la chute et il a marqué que 3 points. Donc là, cette course d'Isola 2000 est la course maudite. Il a fini 3e l'année dernière, classement général. Donc là, il doit se dire, mais là, il est 3. Il va y arriver. Il est 3 avec son très mauvais résultat. Et je vous le redis, en moto, il n'y a pas de décompte. Allez, on rentre dans le dernier tour. Allez. Martinez, Parseillan, Mongarny, je crois qu'on a une copie quasi complète de tout à l'heure. C'est les mêmes. À part Parseillan, du coup, qui a calé. Exactement. Il m'a dit, je ne suis jamais arrivé à redémarrer. Dardeillon, Pidou, Cavalieri, Mongarny. C'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes, mais pour l'instant, il y en a un quand même qui est en train d'aller chercher la timbale rapidement. Si ça continue comme ça. Ça va pas mal. On le suit à l'écran, regardez comme il est tranquille. Puis là, je peux te dire que même avec la petite électrique, c'est chaud. Hein, la descente, ça glisse les roues. Tu te dis, mais je vais jamais arriver en bas en fait. Il est aussi tranquille que moi quand j'allais chercher la baguette en vélo. Ou même avec la moto. Et la deuxième victoire de la soirée est sur la roue arrière pour vous saluer. Donc victoire, deuxième de la soirée pour Vivien Gonnet, donc on va marquer les points, ça va être vite fait ce soir encore. Oui, bon, là, un point général. Pour Vivien Gonnet, un deuxième pour Giordano et Nigon qui va faire 3. Hein. Voilà. Il fait 3 une nouvelle fois, Nigon. Il est 3. Martinez est 4e. Bon, ça va jouer entre ceux-là, de toute façon, c'est pas la peine. C'est chaud, regarde. Là on a une bagarre là. Le groupe. Alors après Martinez, on a Parseillan, on a Mongarny encore 6, Reynaud, voilà.
Tarès pour sa première apparition, ça se voit que c'est un pilote pro hein, qui roule bien, hein, parce qu'il est 9e, c'est bien. Ouais, bien. Brancy, Véronèse, Roche, Dardeillan, c'est pas mal, il n'est pas largué non plus pour sa première participation. Sébastien Pidoux, un peu en retrait. Voilà. Ouais. Et puis, regarde, avec la 125, il y a une seconde de Bastien Cavalieri, donc, enfin deux secondes. Bravo, bravo les plus jeunes. Ah oui, il peut nous saluer. Il vient pour l'instant deux courses aujourd'hui, deux victoires. Et depuis le début de la saison, six courses, six victoires.